Passez-moi mon cassin. J'ai perdu mon bracelet. Envolé pendant la nuit. Les esprits sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin. Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Ma poupée. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lolan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lan-Lan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, arc-en-ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lan-Lan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici ? Mon sac médecine, il a disparu. Oh. Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lan-Lan. C'est toi le chaman, tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais... on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Il n'est sorti. Ah bon? Oh, regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là! Les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant, en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là, qui aime la sève d'érable. Le gros bec. Yahoo. Gros bec. Gros bec. Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel, maman ours.
toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Ilan-Lan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y'a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari! Je suis là! Le pot la touche, j'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui, il adore le sirop d'érable. Hé, hey, pot la touche, c'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac. Si tu le veux, attrape-moi. Pot la touche, il me le faut. Perdu, t'as failli m'avoir. Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui. Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur! Razmot! Et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins! On rentre! Il est trop fort pour nous! Mais tu perds la tête! Et Ilan-Lan! Ne t'inquiète pas, petit tonnerre! J'ai un plan! Alors, pour la touche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie! C'est pas très agréable, cette mélasse! D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Ilan-Lan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Oh, pas ça. La poupée de chenille dorée. Oh, c'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Le voilà. Oh. Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac! Aïe, 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 a
caractère, hein, ma petite noisette? Peut-être, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. Et j'ai retrouvé le sac métier. C'est un peu la touche qu'il avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan. Éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un pot la touche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le pot la touche.